Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Tuto GoPro. Donc aujourd'hui, donc petit tuto, donc nouvelle série, donc quel accessoire choisir pour n'importe quel sport. Donc aujourd'hui, ça va être pour le VTT. Donc on va regarder les deux fixations pour moi qui seront les plus utiles pour une sortie VTT. Donc premièrement, la fixation pour les guidons, tiges, enfin tout ce qui est petit tube. Donc c'est la fixation tubulaire, il me semble qu'elle est à 25 € chez GoPro, donc c'est une fixation franchement qui est vraiment utile pour le VTT. Donc voilà, vous pouvez la mettre où vous voulez, c'est le grand avantage de cette fixation, vous pouvez la mettre partout sur votre vélo là où il y a un tube. Donc pour cette fixation, il va falloir alors la fixation roll mount, donc à 25 €, la petite rallonge pour pouvoir mettre votre GoPro à l'envers si elle est le guidon et pas à l'endroit, et ensuite les deux petites vis. Donc voilà un petit exemple, donc là la fixation était sur le guidon il me semble. Donc pas trop de vibrations, plutôt bien, on peut tourner, ça nous donne bien l'effet quand on tourne. Moi franchement c'est un plan que j'aime bien pour le VTT, c'est vraiment bien. Après donc plusieurs plans pour diversifier votre montage quand vous allez le faire, donc changer votre, vu que c'est la même fixation, vous pouvez changer de plan, par exemple mettre un plan, là c'est donc sous le cadre il me semble, au niveau de la selle, là, vous l'avez vu juste avant. C'est un plan qui peut être pas mal pendant 5 secondes pour votre montage, pour diversifier et un peu changer quoi. Donc ensuite on va parler du deuxième accessoire, donc c'est l'accessoire que tout le monde a généralement, donc c'est la fixation pour le torse. Et donc pour cette fixation vous allez mettre votre GoPro à l'envers pour éviter les vibrations et pour pouvoir caler la GoPro comme vous voulez au niveau de pour bien cadrer. Donc voilà un petit exemple de la fixation pour le torse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc prochaine vidéo pour le ski à mon avis, je vous laisse et à la prochaine, bye tout le monde.